Elle trouve un chien abandonné dans une boîte dans les bois, elle approche et perd totalement le contrôle. Une course contre la montre. Comme elle en a l'habitude, Leslie Isuela s'est arrêtée ce jour-là à Dallas, au Texas, dans un lieu où les animaux sont souvent abandonnés. Mais elle ne s'attendait pas une seconde à ce qu'elle allait trouver, un chien assis dans une boîte au milieu de nulle part, dans un silence complet. Un chien en piteux état. Sans hésiter, Leslie fonce vers le chien et constate tout de suite qu'il va mal. Non seulement il est frigorifié, mais il y a la tête enflée et une blessure profonde à la patte. À bout de nerfs, Leslie prend le chien avec elle et l'emmène chez le vétérinaire le plus proche. En chemin, elle constate que la blessure du toutou est plus profonde qu'elle ne le pensait. Leslie commence alors à paniquer. Un deuxième chien sauvé. Alors que Benny, le nouveau nom du toutou, est en train de se faire soigner, Leslie remarque un autre chien qui ne cesse de la fixer. Un chien qui a besoin d'aide à son tour. Leslie a alors décidé de prendre aussi en charge ce deuxième toutou prénommé Betty. Elle a ensuite appelé à l'aide l'association Rescue Dog Roknick pour qu'elle prenne en charge les deux chiens. Aujourd'hui, Benny et Betty sont très heureux et profitent de la nouvelle chance qu'ils ont.